Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez et ce que vous avez ressenti en tant que modèle pour l'entreprise Lézard Création? Merci. C'est hyper émouvant. On sent que Rémi est un personnage dans ce village. On sent qu'il est présent dans chacun d'entre nous. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour savoir si vous connaissez un certain Rémi Masseglia. J'ai jamais entendu parler. Monsieur, une vélo. Bah, comment il est? Super. Super, ça on garde. On continue. Si, il est sur le boulevard. Et c'est un mec sur qui on peut compter? Volontiers. Très gentil, très serviable, très sympathique. Formidable. Voilà. On continue, c'est impressionnant. Hein. Le village est complètement sous le charme de Rémi Masseglia. What do you think about Rémi Masseglia? Wonderful. Si vous connaissez l'entreprise Lézard Création. J'en ai entendu parler, ouais. Ouais. Et pour savoir si au niveau qualitatif, on peut compter sur eux. Moyennement quand même quoi. Oui, allô? Ouais. Nat? Oui, Fabrice? J'arrive là, je suis à la bourre, excuse. Hein. T'es super à la bourre là. J'arrive, promis. Ouais, parce que là, on aurait bien aimé que tu sois là, tu nous as promis et t'es pas là. Je t'embrasse, j'arrive, je suis à côté, à tout de suite. Ok, ça marche. Mais surtout Rémi Masseglia. Mais Rémi Masseglia, nul. On en a marre de lui. Pourquoi? On aimerait que ça n'aille de Breil. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de Rémi Masseglia, si vous le connaissez éventuellement? Art Création, voilà, c'est ça. Les Art Création. Voilà. Ouais, il est bien, quoi. Vous pouvez lui faire confiance? Et au niveau politique, c'est un mec, dans le village, il dit c'est quoi, c'est que... Est-ce qu'on a entendu des trucs bizarres sur lui? C'est qui la vie? Il est pas... Hein? Ouais. C'est pour savoir ce que vous pensez de Rémi Masseglia. Ah, c'est un bon brivois, un vrai brivois, un bon brivois. Super, compatriote, et... Voilà, il est bien. Oui, super ce brivois, donc il fait obligatoirement le bien. Voilà, on garde. Pas du tout. Jamais. Jamais. Il n'a même pas eu une période obscure dans sa vie. Il est nickel. Oui, Rémi Cotalanga. Rémi Masseglia. Oui. Rémi? Ouais, tu sais pas. Ben, c'est celui qui... Il fait du vélo. Il fait du vélo? C'est pas un super chrétien, quand même. Hein. Il est baptisé? Moi je crois. Il est baptisé. D'accord, une blague ça. Hein. C'est une blague. Continue! En fait, on
cherche des témoignages historiques sur ce passé lugubre. Ah non, mais ça on peut pas révéler, ça fait longtemps qu'on peut pas révéler. Non, arrêtez. Surtout devant une caméra. Voilà, il ah, paraît ça, qu'il a fait pas, des choses. Il nous a fait promettre de pas révéler. D'accord. Bonjour. Bonjour madame. Donc on fait un reportage. On voudrait savoir vraiment au niveau du village, quelle est l'impression que donne Rémi Massiglia. Très mauvaise. Vous n'êtes pas la première à nous dire ça. Hein. Non, c'est nickel. Nickel ouais. Super. Il fait des trucs bien. Oui. Entre autres ses cartes postales, ses livres. Madame. Il est impressionnant. Il est partout. Où qu'on aille, il est. Les cartes postales. Là, Rémi Massiglia. Là aussi. Je me demande s'il n'a pas des le bras long. Préservatifs, il fait des préservatifs aussi. Oui, de l'autre côté. Ah. Préservatif de Lézard Création. Probit 500. Microzob. Tu couperas ça quand même. Non, je couperai pas. Je pense que... Au revoir, merci. Ils sont terribles. Rémi, tu as tapé fort cette fois-ci. Pour moi. Pierre, bonjour. Voilà, on cherchait justement une personne, une star. Oui. Comme vous faites votre retraite, je voulais savoir si vous avez déjà travaillé avec Rémi Massiglia. J'ai pas ma retraite. Non, mais votre retraite d'actrice. Ah, tu parlais pas au chien. Merde. Ah. Pardon. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Rémi Massiglia auparavant au cinéma? Non, une seule fois, la dernière fois, là, par surprise. C'est un certain Rémi Massiglia. Hein? Rémi Massiglia, c'est super. Ah bon? C'est parce qu'il paraît qu'il a eu un passé lugubre. Je ne suis pas au courant, mais je pense que vous êtes filmé. Non, mais vous serez flouté, il y aura aucun problème. Mais Fabrice! 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 C'est bon la nappe ou quoi? Bien la nappe, c'est hyper bon. Ok. Voilà. C'était pour savoir ce que t'avais ressenti pendant que Rémi te fige l'instant. Bah, c'est. Je trouve que c'est quelqu'un de bien, hein. Rémi, tu sais, là, c'est un artiste. J'aime bien Rémi, quoi. C'est un bon copain. Et artistiquement parlant, c'est quand même quelque chose. Merci, Fabrice. Merci. Ouais. Elle marche pas bien. Attends, mais moi, c'est pas marqué. On voudrait savoir si au Spar, monsieur, vous vendez des produits Lézard Création de Rémi Massiglia. Ah oui. Ah. Bon, je ne sais pas où ils ont été placés. D'accord. Et c'est quel genre d'objet alimentaire, plutôt alimentaire? C'est bien. Merci. C'est pas moi qui ai vendu dans Voilà. Pas de soucis. Bon. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà travaillé comme mannequin chez Lézard Création? Bon ben voilà, nous allons clôturer le reportage sur le super-héros de Breil-sur-Royen, Rémi Massiglia, qui est maintenant une personne âgée, qui pensait pour lui.